Eh bien bonjour à tous, c'est Antoine et on se retrouve aujourd'hui sur SimCity 5 pour l'épisode numéro 20. L'épisode numéro 20 de SimCity, c'est juste... ça commence à être vraiment une belle série avec un bon nombre d'épisodes, je suis assez content. Et on se retrouve aujourd'hui exceptionnellement avec Blood74 et Théo Team. Bonjour à salut. Tous les deux. Salut. Alors, donc aujourd'hui, on va parler un petit peu dans la généralité, au niveau plus général dans la région. On va parler du grand projet à l'ordre du jour et aussi au niveau des connexions entre nos villes. Ça va surtout être ça le sujet. On va pas trop parler de chacun notre petite ville, nos petites villes individuellement. J'espère qu'en tout cas ça vous plaira et que vous appréciez toujours cette série. Alors vous voyez qu'on est donc sur Courberive, c'est pour en fait débuter la recherche. Mince, j'ai le générateur, bon, en fait on s'en fiche donc je l'annule. Il y avait le générateur à pétrole propre mais comme personne s'en occupe. Alors on va faire comme grand chantier, comme grand travaux. Comment ça s'appelle ? Le centre spatial, c'est ça. Voilà. Eh bien, on va le développer. Et en espérant que durant cette vidéo, on arrive à peut-être le développer. Enfin, ça m'étonnerait parce que c'est quand même très long à faire, surtout le centre spatial. Mais ça met beaucoup plus de temps que d'autres projets. Mais du coup, on va rester un petit peu sur Courberive. Hein. J'ai pas d'autre solution intermédiaire. On va pas trop faire de Las Vegas aujourd'hui. Continuer à développer. Ça va pas être trop possible si on veut que notre projet se développe le plus vite possible. Enfin voilà. J'espère que ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de raison normalement. Et donc, est-ce que vous avez 2-3 petits commentaires à faire sur vos villes, vous deux? Des petites nouvelles. Ouais, là-bas, bah, t'es au team d'abord. Alors, par contre, il y a quelqu'un qui a chez lui un écho. J'aimerais bien que ça. Ouais, prends mon casque. T'es au team, vas-y, je t'en prie, explique-nous un petit peu de ta ville. Là, t'es dessus. Non, je suis pas dessus, non, mais explique-nous les 2-3 petites nouveautés. J'irai voir tout à l'heure. Bah, en gros, au début, je m'étais mis dans la. Dans les minerais, alors du coup j'ai puis les mines, tout ça, puis j'ai épuisé les ressources. Alors ouais. Du coup j'ai décidé de me mettre dans les microprocesseurs. Et d'accord. Puis c'est parti dans la démesure après. D'accord, ok. Eh bien écoute, c'est bien. Alors tu peux juste nous dire en termes d'argent ce que tu as sur ta ville. Alors j'ai un déficit de 56 000 Zimflux par heure. Voilà. Mais avec le nombre de processeurs, j'ai 36 674. Alors je vous mets au défi de faire mieux que Théo Team parce que franchement c'est incroyable quoi de faire une ville avec 50 000 de déficit. Enfin, c'est juste énorme quoi. Je pense qu'on est tous d'accord. Et Blutch alors. De tête j'étais à 10 500, et attends parce que du coup mon jeu est un peu planté parce que j'ai mis mon casque et il n'est pas précis. D'accord. Okay. Mais j'étais à 10 500. Et voilà, je vais rien dire de plus. Hein. Bah attends. Pas sur moi pour fournir des ressources au centre spatial. Par contre, niveau ressources de la ville, je prends tout ce que je peux chez vous, donc ça me va très bien. D'accord. Ok. Eh bien, entendu. Alors, nous sur Courberive, est-ce qu'on a des petits soucis? Bon, ça m'étonnerait parce que c'est quand même une ville, vous voyez, des niveaux crime, on a zéro. J'avais rajouté un petit commissariat comme ça. C'était parce que ici on avait une zone de criminalité qui était très peu, on va dire, sous contrôle policier. Donc j'ai rajouté un petit poste de police, comme ça on a quelques petites voitures supplémentaires et ça me permet d'en envoyer pas mal aux voisins. Je crois que j'ai un hélicoptère que j'envoie à Blutch parce qu'il avait des problèmes de criminalité. Donc voilà, on va faire un petit peu le point d'ailleurs sur les véhicules que j'envoie et à qui j'envoie. Alors déjà niveau électricité, j'ai juste acheté ça. J'ai tout acheté. En parlant d'électricité, je peux raconter ma petite histoire là. Ah oui, bien sûr, vas-y, je t'en prie. Voilà, donc en gros, ma ville avait pas mal évolué, il y avait un gros besoin d'énergie. Alors j'avais une université, alors je me suis dit pourquoi pas faire une autre centrale nucléaire.
Alors je l'ai faite. Et ensuite je suis parti manger. J'ai laissé la ville tourner encore une fois. Et à cause d'un petit bug, comme ça je suis revenu, la centrale nucléaire était en fusion. Alors du coup j'ai failli réussir à l'éteindre et à l'exploser. Du coup j'ai dû évacuer pas mal de quartiers. Du coup la moitié de la ville est irradiée maintenant. Voilà. Attends, tu peux payer la ville, Tchernobyl, c'est pas mal. Du coup j'ai décidé que mes SEALs ferait avec. Hein. Ma ville, c'est une ville industrielle, ils sont venus pour bosser. Alors ils vont bosser. Et les maladies, ben, c'est un problème à part. Voilà, mais t'as un hôpital, t'as tout ce qu'il faut. Ah bah l'hôpital, du coup, bah j'ai investi, hein, si tu peux le voir. Mais aussi un centre de recherche, ça peut être utile, du coup. Bah je crois que les personnes à des trucs de santé au niveau des universités, c'est un peu pénible, ça. Bah, on a je tous veux dire, t'as plein de cobayes sous la main, c'est génial. T'es horrible, toi. Non, je suis pas. Eh, en parlant de ça, j'ai recherché le bureau d'enquête. Ah, ça c'est. Alors ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je vais d'ailleurs en mettre un ici, sur Courberive, comme ça, on aura. Oula, voilà. Ça c'est parfait là. Voilà, c'est bon. Parce que le bureau d'enquête va me permettre d'enlever mon petit commissariat. Voilà. Et de remettre des habitations. C'est pratique. On a 4 bâtiments abandonnés. Alors où est-ce qu'ils sont? Tac. Où est-ce qu'il y a d'autres? Il y a là. Et puis voilà. Là là. Alors. Que faire? Ah oui, j'avais dit qu'on allait regarder. Alors, quand la nuit vient, on s'en fiche. De toute façon, niveau police, on est bon. Vous voyez que maintenant, on a le petit fourgon de surveillance. Alors, niveau police, j'envoie un véhicule à Anti Trade Center, 2 véhicules à Las Vegas. C'est pas nécessaire, hein. Ouais, bah, genre, je vais te l'enlever alors. C'est pas nécessaire. J'envoie 2 véhicules à comment tu elle se nomme déjà cette ville, Saint-Blutch. Oui, bien sûr. T'as eu l'idée tout seul, j'imagine. Ouais, non, c'était un vote de mes citoyens, ils ont voté, j'ai dit d'accord, je peux assister. D'accord. C'est comme ouais. Le référendum. D'accord, c'est bien. Avec l'armée même. Ok. Alors, donc, niveau police, donc on a regardé déjà. Niveau des ambulances, je propose un véhicule à Anti Trade Center. Je propose un véhicule à Las Vegas. À Las Vegas, je propose un véhicule. Non, on m'envoie un véhicule de Fort Mayo. Est-ce que Saint-Blutch a besoin d'une ambulance? Attends, je regarde. Non, c'est bon, ok. J'ai un mort par jour, faudra le faire. D'accord, bon bah c'est bon alors. Est-ce que quelqu'un a besoin d'un camion d'incident de matière dangereuse? Ah oui, toi je veux bien. Non, ça va. Ok, et eh ben je l'envoie à Blutch. J'ai des usines, et là, c'est pas possible. Pour ma ville, ouais. Je me devais d'avoir une caserne de camions de matière dangereuse. Alors après, on avait dit au niveau des poubelles, je crois qu'il y a des villes qui ont besoin. Genre moi par exemple ma ville de Las Vegas, Théo Team, si t'as moyen de m'envoyer de nouveaux camions. Attends, peut-être que moi je peux en envoyer, mais j'en envoie déjà pas mal, je crois 4. J'en envoyais un autre, mais parce que je sais que j'ai des problèmes de poubelle, voilà, qui est récurrent souvent. Enfin voilà. Moi ça vient compliquer cette histoire parce que j'ai une centrale de recyclage à Citroën Center, une autre à une cité Technopole, et du coup il y en envoie un peu partout de chaque. Ouais. C'est un peu bordel. Ouais, c'est sûr. Alors, ressources pour la construction. Alors je pense que ce qui va être très difficile à faire, c'est les barils de mazout. Ah, ça je peux en apporter. Alors bah ouais, je pense que Théo Team tu t'en occuperas parce que c'est quand même ta ville la plus rentable sur la région. 1400 tonnes d'alliage, donc ça moi je peux m'en occuper avec le recyclage, ça y a pas de soucis. Mais après
en a un qui peut s'en charger d'importer le pétrole parce qu'il y a un siège commerce avec le siège pétrole, enfin avec la division pétrole. Ouais, bah écoute, on va voir ça. 4000 caisses d'ordinateurs. Alors, est-ce que toi tu fais des ordinateurs ou tu fais seulement. Ah, j'en fais à fond des ordi. Ah, tu fais des ordinateurs, ok, très bien. Bah écoute, c'est parfait, hein. C'est ça en fait qui te rapporte un max, les ordinateurs, j'ai jamais réussi à en faire. Ça rapporte, mais c'est sain, c'est... Ouais, c'est... Oui, c'est sûr. C'est magnifique. C'est sûr, je viens de croire. Je viens de croire. J'ai mon casque qui m'énerve. Allez, oui, oui, Blutch. Non, je dis juste amen. D'accord. Ah là là, bon, je vais zoomer un peu sur ma ville. Comme... Je suis quand même assez content de cette ville, hein. Elle est quand même jolie, je trouve. Non, après, peut-être que vous la trouvez moche, mais... Moi, je la trouve... Oui, non. Donc, le chantier de centre spatial, pour le moment, 20% développé. C'est quand même pas énorme, hein, mais... Espérons qu'on ait le temps de faire ça avant la fin de l'épisode et que Théotime ait le temps de le payer. Bon, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser tout... Enfin, la ville, je vais la... Ouais, on va faire ça. Tu peux faire une petite ellipse. Ouais, c'est ce que je vais faire. Eh bien, petite ellipse, et on se retrouve quand le chantier de centre spatial aura été un petit peu plus développé. Moi, je pense que pendant ce temps, je vais aller un petit peu sur Las Vegas pour voir s'il y a des petits soucis. Non, quoique, non, je suis bête, parce que si je vais sur Las Vegas, ça va pas se développer, donc je vais rester ici, et puis, bon... Voilà, on verra on se retrouve plutôt quand le chantier de centre spatial sera développé pour continuer notre épisode. Voilà, à tout de suite. Et donc, chers viewers, on se retrouve donc sur le chantier de construction du centre spatial. J'ai donc envoyé de l'argent, vous voyez, pour le débloquer. Et donc là, on n'a plus qu'à envoyer les ressources. Je suis toujours avec Théotime et Blutch. Donc, Théotime s'occupera d'envoyer les ordinateurs, c'est ça? Bon, les camions sont en route, là, ça y va. Okay. Aussi l'alliage. L'alliage, alors moi, je peux aider aussi. Bah vas-y. Et le mazout, c'est Blutch qui peut... Non, c'est pas Blutch, c'est toi aussi, t'es au team ou pas? Ouais, là c'est moi, mais faudrait quand même un petit peu d'aide. Ouais, d'accord. Okay. Bah je peux en acheter au pire. Bah sinon, commence avec les ordinateurs et... Ah bah tu peux en acheter, Blutch? Bah, je propose d'en acheter, ouais. Normalement, si vous faites un port commercial, vous pouvez acheter du bezout, hein. Ou même un petit centre commercial, enfin un entrepôt. Qu'est-ce que je vais faire? Hop, alliage donc utilisé localement. Allez, il y a une armée de camions qui se ramène. Alors j'ai juste regardé si on voit ça sur la carte du commerce. Hop. C'est parti. Hop, non, je pense qu'on va pas le voir. En attendant, je vous propose donc de repartir sur Courberive. Courberive, non, qu'est-ce que je dis? Las Vegas. Pour continuer un petit peu notre ville, puisque elle en a besoin, donc on y retourne. Et de toute façon, ça continue, je crois, ça envoie quand même. Mais je pense, aujourd'hui, c'était une première étape pour commencer à faire le grand travaux. Mais par la suite, moi, je ferai beaucoup de hors-caméra pour envoyer les ressources, puisque c'est impossible à faire en vidéo, c'est très long. Oui, si. Donc voilà, on fera ça hors vidéo, et la prochaine fois... Je pense qu'on fera peut-être encore un épisode sur Las Vegas, et après on partira sur la dernière ville qui s'appelle Basset, je crois, je sais plus. Ouais, c'est Basset. Ouais, c'est Basset, c'est ça. Et voilà. On aura donc une jolie région, et on n'aura plus qu'à admirer notre joli centre spatial. Espérons-le, en tout cas. En attendant, sur Las Vegas, donc vous voyez que la ville fonctionne bien. On a 152 000 habitants, ce qui est plutôt pas mal. Et bien voilà, niveau électricité, on est bon. Alors je vais supprimer 2-3 petites éoliennes parce que bon, ça nous sert à rien. Et on va même détruire la route qui est là. Hop, comme ça. Et on va pouvoir remettre quelques habitants. Bah voilà, c'est déjà mis. Oh mon dieu, mais y'a un de ces. Y'a un bouchon monstrueux devant le centre spatial. Ouais, bah ouais, je pense qu'il y a de quoi. Ça crée pas mal d'emplois. Hein. Ah ouais, mais là, c'est. Ah, c'est pas actualisé, moi, depuis. Las Vegas encore. Ah, ça va arriver. Ouais.
le temps que ça me mette tous les trucs qui ont été débloqués. Voilà. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on a à faire sur cette ville? Ce casino est toujours pas rentable et ça commence vraiment à m'énerver. Bon, c'est vrai qu'on a de plus en plus de clients quand même, mais... Ouais, ça m'embête un peu quand même pour la suite. Mais bon, pour le moment, on n'a pas à se plaindre, hein. On s'en sort quand même très 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 bien. Le Colonel Dome nous fait perdre de l'argent pour le moment, celui-là nous en fait gagner. L'Opéra de Ciné, bah, pour le moment, ça fait rien puisque j'ai pas programmé d'événement. Ouais. J'aurais peut-être essayé de faire de la plus haute. Comment? Industrie, là, plus de la high-tech, mais peut-être ouais, pas faire une université. Ouais, augmenter la technologie, voilà. En tout cas, cette ville marche bien. Vous voyez qu'on n'a pas de bouchons, même aux entrées. Un petit peu, sûrement. Oh non, incendie de matière dangereuse. Ok, dans caca. Ouais, effectivement. Bah, c'est joli les feux tout verts. Ouais, c'est sûr. J'adore quand ça explose. Blotch, il est fan. Ouais. Ça change le quotidien des habitants. Oh, c'est sûr. Maman, ouais. Regarde, après artifice, oui, mon chéri. Y'a ton papa qui est là-bas, tu sais. Maman, comment ça. T'es horrible. Moi, ils se sont bien amusés quand c'est ma centrale qui a explosé. Ah, ouais, ça, je veux bien le croire. Ouais. Bah, je pense qu'il y en a maintenant, ils rigolent moins parce que comme ils vont à l'hosto toutes les deux minutes. C'est quoi l'élection déjà? Bah, je crois, attends, je vais te dire combien j'ai de malades dans ma ville. Alors. Ah, c'est dans le palmarès. Ouais, ça doit être assez exorbitant quand même. Ah non, c'est pas là. C'est... Bon, dans le palmarès, ils me disent que j'en ai 30, mais je crois pas que ce soit ça. C'est 202 civs malades. Non, 202 civs malades soignés sur 326. Oh, ah ouais, dur. Parce qu'en plus de la radiation, j'ai la pollution des sols de mes centrales de production de microprocesseurs qui fait une pollution monstrueuse. Ah ouais, non, mais ça fait mal là. Mais je vis avec. Mais du coup, il y a des embouteillages de malades pour aller à l'hôpital quand même. Ah bah oui. Oh là là, mais c'est dingue. Je suis curieux d'aller voir ta ville, d'aller la visiter tout à l'heure. Ouais, c'est, en fait, c'est l'URSS, ma ville. Ouais, je veux bien. Ouais, c'est ça, en fait. Bah nous, en attendant, on n'a plus qu'à attendre que ça se développe. Hein. Comme d'habitude, c'est le même refrain. Commence à être habitué si vous suivez mes vidéos régulièrement. Ou pas, d'ailleurs. Ouais, bah vous voyez que là, on n'a plus qu'à attendre que ça se développe. Hein. Peut-être booster un petit peu en mettant des petits parcs, là. On va booster l'histoire. Ça ira plus vite. Je redis mazout au truc spatial. Youpi. Cool. Alors, regardez. Bon, moi, je sais pas. Ah, ça y est, mes premiers... parce qu'il y a une vague de camions qui est arrivée, puis ensuite plus rien. Et ah, moi là, aussi, c'est bon, ça là. S'est actualisé là, moi maintenant. Mes camions arrivent. Mais ils sont pris dans les embouteillages. Oh, bah, c'est toujours pareil. Hein. C'est toujours pareil. Notre casino. Ah, il est bientôt rentable, c'est ça qui m'énerve. Tu vas voir quand il y aura le centre spatial, il y aura tellement de. Ah oui, de on touristes. Va blindé de touristes, blindé d'emplois, il n'y a plus rien. Ça va être génial. Ouais. Ça va être génial. Niveau éducation, ça me va pas. J'ai l'impression qu'il y a très peu de gens qui vont à l'école. Ouais, c'est effectivement, c'est le cas. Donc je pense que je vais investir dans un centre universitaire. Ce qui permettra par le même temps d'avoir des industries un peu plus évoluées. Ça ne sera que bénéfique à la ville de toute façon. Donc pourquoi s'en priver?
Vous voyez qu'on a des petits bouchons, mais ça reste très raisonnable comparé à certaines autres villes de la région. C'est vraiment léger. C'est vraiment très très léger. Niveau criminalité, je crois qu'on est un peu juste avec ce petit commissariat là. Je pense qu'on est un petit peu juste. Donc on investissera très vite dans une. Dans ça se dit investissera. Investira. On investira, ouais peut-être. Enfin je sais pas. On mettra des sous dans un nouveau commissariat, puisque là ça va devenir assez problématique, surtout avec nos deux casinos. Voilà. Niveau électricité, qu'est-ce qui se passe niveau électricité? Mais j'achète pas? Ah non, c'est ça en fait. Voilà. Ça ira mieux direct là. Ça devrait aller mieux direct. Qu'est-ce que tu dis? Non, en fait, j'avais remarqué que ça faisait 4 heures que mon camion était bloqué au même endroit dans les bouchons. J'ai mal pour le chauffeur. C'est sûr. Moi, ça va. On a 3000 barils de pétrole, de mazout. Déjà envoyé. Bah c'est pas mal. C'est pas mal. Pour booster le truc, je vais faire un gros riz, je vais arrêter d'exporter des ordinateurs. Du coup, je risque de perdre de l'argent, mais au moins en tout cas ça exportera plus vite. Ouais, et ben moi je pense que je vais partir directement, comme là j'ai pas grand chose à faire, je vais partir directement en exploration sur vos deux villes. Donc on va commencer par la plus proche. Non, on va finir par Saint-Blutch. Ça me semble mieux. N'est-ce pas, Blutch? Ça serait mieux de terminer par un air sain. On va commencer par la ville pollution, etc. Et on va finir par la ville de Blutch. On va pouvoir un petit peu déconner et se moquer. Non, je rigole. C'est pas ce que t'avais fait dans la dernière vidéo, par hasard? Si, déjà. Oh, ça non, va, là. C'était gentil dans la dernière vidéo. Enfin, disons, architecturalement, ouais. C'est pas ça, mais de rien, il n'y a pas trop de bouchons, ça circule, il n'y a pas de. Enfin, s'il y a que des problèmes. Mais bon. Oh, j'adore l'emplacement de ton siège électronique. Ouais, à la base, c'est le siège métal, mais je voulais l'améliorer au max. Oh, c'est magnifique. Ah, j'ai mon casque qui m'énerve. Excusez-moi si vous entendez du bruit, je vais essayer de le régler un peu mieux. Voilà, c'est mieux là. Ouais, vous voyez que là, il a ses processeurs. Sa fonderie. Ah ouais, mais c'est un de ces trucs que tu nous as fait là. Oh, c'est génial. Regardez-moi ces ports commerciaux. Mais j'ai jamais fait une ville comme ça, moi. Tu devrais regarder la pollution des sols et les radiations. Alors, bah, c'est ce qu'on va faire. Ça sera moins drôle déjà, je pense. Radiation. Waouh. Donc, tu vois où est-ce qu'elle était, la centrale, à peu près. D'accord. Alors moi, t'as eu un bon réflexe, t'as mis des centrales à pétrole dessus. Ouais. Ah, 202 malades soignés par jour sur 313. Oh mon dieu! Il y a vu la pollution des sols au moins. Oh mon dieu! Ouais, attends, je vais la regarder. Ton hôpital est plein. Ah non, j'ai rien dit en fait, parce que ouais, c'est un bug d'actualisation. Oh mais c'est dingue! C'est dingue! 54 000 par heure, mais oh là 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 là, j'ai jamais vu ça! C'est beau! Et bah je pense que vous pouvez... Enfin, je sais pas si c'est comme moi, mais vous devez en prendre plein les yeux là, parce que... J'ai jamais vu une ville comme ça, quoi! C'est impressionnant! Bienvenue en URSS! C'est impressionnant, c'est une machine à sous ta ville! Ouais ouais, en gros ouais. 43 millions, j'en suis. Ouais, c'est dingue. Hein. Niveau commerce, vous voyez, la moitié de sa ville est remplie de zones commerciales. C'est vraiment que ça. C'est industriel. Ouais, enfin, zone industrielle qui génère de l'argent, quoi. Et de production. Ouais, voilà. Mais c'est impressionnant. Franchement, Théotime, tu m'impressionnes, là. J'ai jamais réussi à faire ça, moi. J'ai le mieux que j'ai réussi à faire, c'est d'exporter quelques
quelques petits processeurs, voilà. Mais là, alors on va regarder la position du sol. Alors ça, c'est quand même moins joyeux. Oh, j'ai jamais vu ça. Oh mon dieu. En fait, au début, je partais sur 2-3 usines, pas plus. Puis ensuite, j'ai vu que pour améliorer le centre, le siège microprocesseur, fallait 4 millions de profits quotidiens. Alors du coup, je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, on va en mettre la masse. Ah ouais, non, mais voilà. C'est génial. Ah, c'est vraiment superbe, hein, Théotime. Franchement, chapeau, parce que... Ouais. C'est impressionnant, hein. C'est impressionnant. Plus niveau éducation, t'es bon. Ah ouais, franchement, chapeau. Franchement, bah, j'étais chapeau. Pas bon au moment où ça a pété. Hein. Oui, c'est sûr, j'imagine que ça doit être un peu la cata. Mais... Ah ouais, très joli. La catastrophe. Il y a des bouchons incroyables devant le chantier. Ouais. Est-ce que tu peux vérifier combien il y a de ressources qui sont arrivées dessus? Alors attends, je peux pas voir là, mais j'ai quitté mon mode observation. Il y a 15 000 de mazout, 0 d'alliage et 0 d'ordinateur. Ça m'énerve ça, il y a tous mes bois camions, ils sont devant. Moi ça arrive bien. Hein. Attends, mais j'ai une masse de camions et d'alliage qui a de camions d'ordinateur et d'alliage qui arrivent devant le truc. Eh bah, c'est sûr, j'ai bien de croire. J'espère qu'ils sont pas vides. Ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est les boules quand même. Alors, du coup, grand travaux. Cœur. Bien sûr, je vous aide. On voit des camions vides. Mais oui, mais oui, je fournis. Bon, allez, on se tire vite d'ici. C'est ah là là. Okay. Ouais. On empoche. Alors, maintenant. Votez pour moi. On va visiter Saint-Blutch. 2000 tonnes d'ordinateurs. Donc, allez. Parce qu'il faut que j'y aille. C'est en chargement là. Donc, ça y est, c'est trop tard là. Je peux plus renoncer. Chez moi, ouais. On va voir. Tada. Bah, c'est pas mal tout ça. Elle est jolie. Ouais, ça va. Bah, je suis quand même assez content parce que si tu prends le quartier, on va dire pauvre, les usites, c'était que sur la route qui montait, donc Rosa qui part d'en bas, la caserie pompier là qui monte jusqu'en haut, un peu sorte d'arrondi un peu, c'était la seule route qui montait là-haut et c'était un enfer parce que tout le quartier était en feu. Dès que je dis en feu, c'était un brasier énorme, feu de camp et tout le monde dansait autour quoi. Donc c'était vraiment l'anarchie. Les camp-pompiers étaient bloqués dans les bouchons qu'il y avait dans la cette route et ça m'énervait. C'était Marseille Empire. Ouais. C'est peut-être toujours feu de forêt, tu sais, voilà quoi. Okay. En pleine ville. Ouais, et j'ai réussi en fait à supprimer tous les bouchons en faisant un tunnel quand même, j'ai galéré. En faisant des routes, en faisant toutes les en changeant les routes des usines, j'ai rasé des usines pour faire des routes, j'ai fait une petite déviation, on va, enfin c'est... Je suis au bouton de mon truc, quand même. Alors par contre, ouais, juste par curiosité, j'ai regardé la carte des bus, et t'as des bus, mais partout. Ouais, c'est pour les touristes, c'est pour ça. Mais c'est génial. Bah, faut dire aussi que je prends beaucoup chez vous, je crois. Ah ouais, non mais c'est sûr, mais t'as énormément de bus, c'est super. Ah ouais, c'est dingue, t'as 10 000 passagers par jour pour une ville de 27 000 habitants. Oui, un transport commun chez nous. Bah ouais, bah dis donc. Là, t'as réussi, là. En fait, t'as presque que des bus dans tes rues, t'as plus aucune bagnole, quoi. C'est pour ça qu'il y a plus de bouchons. Bah c'est génial, hein. Franchement, je suis épaté, hein, que tu t'en sortes comme ça. C'est que regarde la carte des bus, ça va pas mal, quand même. Non, mais même en regardant le reste, je veux dire, tu t'en sors. C'est honorable. Hein. J'apprends vite. Ah ouais, non, j'ai juste deux petits crimes, mais. Hein, des crimes ? Ouais. Bouge pas, il y a 30 secondes, tu vois. Et là, chez moi, je crois qu'il y a plus d'ambulances que de bus. C'est dommage qu'il n'y ait pas les éclairs comme avant, c'était dommage ça. T'as non, quelques t'as chômeurs, des mais. Gens qui manifestent, tu pouvais les cramer, tu pouvais les faire. T'as juste quelques chômeurs, mais vraiment. Quelques-uns en richesse faible. Tu disais quoi, Bleu? T'as que quelques postes vacants, c'est vraiment. C'est vraiment la ville parfaite, quoi, j'ai envie de dire. Et puis en plus, c'est joli, quoi. C'est vrai que je m'étais foutu de ta gueule la dernière fois. tu pleures, hein. Mais hein, franchement, elle est bien réussie et.
Je regrette pas du tout de t'avoir pris dans la série. Merci, merci, je sais. Je te donnerai ma facture tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Ouais, d'accord, oui. Et non, t'as posé cette question, en fait, je disais que dans l'ancien SimCity, je sais plus quel est le... SimCity 4. Ah, on est 5, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, SimCity 4? J'ai pas cette connerie. En fait, tu pouvais... Envoyer des CRS? Non, en passant des éclairs sur la ville, en fait, t'avais un onglet pendant les caisses fracturées, tu pouvais lancer des éclairs. Oui, j'y ai joué à SimCity 4. Voilà. Et ça, j'adore parce qu'en gros, quand t'as des gens qui manifestaient des trucs comme ça, tu pouvais leur jeter des éclairs à la tronche, ils partaient en courant, ils pouvaient cramer. Non, moi je leur envoyais les CRS. Hein. Moi je faisais ça aussi, mais avec les éclairs en plus, ça donne un effet plus dramatique, c'est marrant. Mais ce genre, qui Dieu te parle. Moi, ce qui me manque le plus de SimCity 4, c'est les adjoints au maire qui t'engueulent. Non, ça m'arrange. Je rigole. Pas engueulé, moi. Quand t'es dans le rouge, t'as le type qui venait, enfin t'as l'adjointe aux finances qui venait t'engueuler en te disant ouais, faut pas augmenter les impôts sinon je vais te taper ou des trucs comme ça. Ouais. Et sinon t'as pour info quand même, le gros casino là il est fermé parce qu'il rapporte rien. Alors je n'ai pas vu ton gros casino, où est-ce qu'il est? En face du petit, à gauche de la ville, en bas. En fait vous faites la concurrence entre Antoine et Blutch pour les buts de casino. Alors je vois pas ton casino. Pourquoi? Il y a une guerre des gangs. Le petit truc là, casino élégant. Ah d'accord, ouais, effectivement, ouais. T'es un fou d'avoir mis ça pour une petite ville. Non, je sais pas. Par contre, ton établissement de jeu gagne pas mal. Hein. Ouais, c'est le plus qui gagne d'ailleurs. Pour ça, j'ai laissé celui-là. Et en haut, j'ai un petit théâtre. Les Sims sont contents de ta façon de gérer les casinos. Apparemment, ouais. On sait pas ce que t'as mis dedans, mais... Oh, ils sont payés par la mafia. Je ne dirai pas ce que j'ai mis dedans en vidéo. Hein. C'est plein de demoiselles qui font leur travail. Ouais. D'accord, alors ton pont, je le trouve génial. Alors que tu disais que c'était à chier la dernière fois, quoi. Non, ton pont au milieu, là. Pont au milieu, lequel? Bah, celui qui traverse la vallée. Ouais, il n'y en a qu'un seul, de toute façon. Tu peux l'améliorer, par hasard? C'est-à-dire? Bah, tu cliques, tu vas dans ton onglet de route, et t'as un petit signe, enfin, une sorte de petit truc. Tu sais, comme pour améliorer la densité, là. Ouais. Tu cliques sur ton pont et normalement t'as trois améliorations différentes. Ouais, et tu peux faire un pont en arche. J'ai fait. C'est joli. Voilà. Et ça doit faire encore plus classe. C'est très classe, effectivement. Le Dark, à la fin, tu fais peut-être ma gueule, dire ouais, là c'est ton pont, il est trop moche. Non, je parlais pas de ton pont, je l'avais même pas vu. Ouais, c'est ça. Les preuves vidéo, j'ai regardé. Bah, il me semble pas, hein. Dénoncez-moi sinon, mais. Ouais, je vais t'inquiète. Ok. Et ben, cher viewer, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je sais pas du tout combien de temps elle va faire. Comme on a fait une ellipse, machin, parce que moi j'ai attendu pas mal de temps. Ça fait presque une heure et quelques qu'on est sur SimCity. Je commence à avoir des riches dans ma ville. Et donc j'espère franchement que ça vous a plu parce que moi j'ai trouvé cet épisode assez sympa, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En plus, je suis avec Blutch et Théo Team, c'était super. Merci à vous les gars. Et on se retrouve donc une prochaine fois pour l'épisode numéro 21 de SimCity. Abonnez-vous, j'espère que vous prenez toujours autant de plaisir à regarder cette série. N'hésitez pas à laisser le petit like pour me faire plaisir. Si vous voulez que je continue, ça me donne encore plus la motive. Et puis n'hésitez pas à suivre toutes les autres séries de la chaîne, Roller Coaster, etc. En attendant, je vous dis à la prochaine. Et ciao, bye bye. Tchuss. Ciao.